Un quatrième renvoi du procès de l'imam Ali Ndao et ses co-accusés. Sur demande de maître Ali Ndiaye, procureur de la République, le juge Samba Khan a renvoyé l'audience jusqu'au 9 avril prochain pour une régulation de l'ordonnance judiciaire. Mais la défense conteste. Nous nous sommes tous opposés à cette demande de renvoi parce que nous estimons que cette demande n'est fondée ni en droit, n'est également violée le principe d'un procès juste et équitable et dans un délai raisonnable. Mais la chambre criminelle a estimé souverainement qu'effectivement qu'il y avait lieu de renvoyer pour régulariser. Après cette décision de renvoi du juge, des souteneurs de l'imam Ali Ndao ne décolèrent pas. Ils parlent même d'acharnement, un coup de théâtre sans fin. Ce procès est une pure fiction. Il faut qu'ils arrêtent de jouer avec notre intelligence. Vous savez que la question du terrorisme rapporte des financements pour certains dirigeants. Au nombre de 32, l'imam Ali Ndao et ses co-détenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités terroristes en bande organisée. Ils sont aussi accusés d'actes terroristes, permanence et complot.